Hello mes amis, c'est Hugo. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Planète Zoo. Comme pouvez-vous le voir, je suis pas chez moi. Je suis chez ma compagne Simstead Gameuse. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas sur YouTube, mais pour les intimes, c'est Mimi, voilà. Donc, on continue sur notre magnifique zoo. Alors, un service, un impact négatif. Déjà, on va appeler un mécanicien, ça sera déjà fait. Lui. Il est coincé sous la map. Les flamands ont besoin de nourriture. Alors, attendez. C'est quoi ça? Mobile à miroir. Déjà, pause. Il faudrait alors habitat flamant rose flamant. Alors tu 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 comme bassin fourrage. Voilà, parce qu'au moins donc ça. Inaccessible. Hop, voilà. Ça, je vais juste le déplacer. On va la mettre là. Tiens. Donc ça, c'est good. Qu'est-ce qui se passe? Animal à faim, animal à faim. Et j'entends Léon là. Léon, 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 Léon. Où est-il, Léon? Et non, Léon Marchand, notre cher nageur. L'eau, elle est un peu dégueulasse, hein. On va peut-être la nettoyer. Ah bah voilà, Léon! Léon! Il y a Léon! Léon, Léon, voilà, Léon. Léon Le Pan. Voilà. Bref. C'est pas ça que je voulais voir, c'était combat dangereux entre un buffle. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Combat dangereux qu'un jaguar. Bon, donc aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un nouvel enclos qui va partir de là, donc. Ah, attendez, pause, pause, j'entends un truc qui se fait la malle. Un combat s'est échappé. Voilà. Donc, nous avons dit, enfin, j'ai dit plutôt, nous allons faire un enclos qui va partir de là et qui va aller ici. Je pense que ça va être un enclos pour des tigres. Déjà, on va voir quel tigre est le plus en danger. Alors, jetons un coup d'œil. Tigre, la tigre de Sibérie, non, l'escargot de tigre, non, ça s'en fiche. Et la tigre de Sibérie, tigre de Bengale. Espèce en danger. Ah, voilà. Donc, il faut, alors, pour les tigres, il faut un anti-esclave niveau 3 et 3 mètres de clôture. 700 mètres, alors, ils peuvent être combien, donc, un mâle, une femelle, donc, en gros, pour la clôture, il faut 816 mètres carrés. D'accord. Peuvent pas être plusieurs. On fuir les visiteurs, ça c'est normal. Et les tigres de Bengale, espèce en danger. Bon, on peut mettre les deux. Ouais, on peut mettre les deux. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Les deux espèces de tigres. Alors, ils sont 2500 dans la nature. Et tigres de Sibérie, ils sont 562. Ok, bon. Bon, on va mettre les deux, voyez-vous.
Donc, alors déjà, le tigre du Bengale, on va le mettre, on va faire une espèce d'enclos comme ça. Alors, clôture, on a vu niveau 3. Niveau 6, non. Verre épais, ne peut pas être escaladé, voilà. Déjà, on va mettre une porte. Déjà, on va faire comme ça. Alors, tac, s'il te plaît. Reste droit, s'il te plaît, ce serait super. Minimum de hauteur adjacente. Ouais, alors. Non. Libre, s'il te plaît, merci. Voilà. Déjà, comme ça, c'est parfait. Déjà, on a un petit aperçu. Mais déjà, alors, la porte, la question de la porte. Alors, donc, la porte, elle peut être là-bas. Ok. Ok, d'accord. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Donc déjà, alors modifier. On prend tout et on soulève. Pourquoi ça veut pas se soulever? Ah oui, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le souci. Alors attendez, on va modifier. Comme ça, je pense que ça va être mieux. Que sinon, ça arrête de nous embêter. Voilà, là, on va diminuer. Voilà, ça me semble mieux. Tic. Donc, modifier tout, prendre. On a dit 3 mètres environ.
Aligné. Alors, 3 mètres. En fait, 3 mètres 10 environ. Allez, 3 mètres 40. Ouais. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà. 3 mètres 40. Il y a certains endroits, c'est pas très bon. Tu, au plat et au bas, haut et ben voilà. Parfait. Bon, il y a des endroits où c'est un peu plus haut, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Au moins, ça évitera que notre cher tigre se barre. Du coup, il va falloir une place. Hop. Stop. Habitat, il me faut donc une porte. Voilà. Allez. Hop, nickel. Et donc, bah on mettra ça en place. Alors, voyons voir. On est toujours en négatif, hein. Oh oui. Les vitres sont dégoûtantes. Satisfaction 71%. On a eu du vandalisme. Ah, on a des revenus, on a pas mal de revenus, mais la trésorerie est dans le rouge. Bon. Donc, on a affaire. Alors, déjà, j'ai choisi quoi? Le tigre de Sibérie. C'est ça? Voilà, tigre de Sibérie en premier. Et ensuite, tigre de Bengale en deuxième. Tigre de Sibérie en premier. Alors, lequel est mieux? Longévité. Ouais, on va te prendre toi. En mal, pas terrible, pas terrible. Ouais. J'ai pas vraiment le choix, j'ai envie de vous dire. Et donc, Edin, tigre de Bengale, tigre de Bengale. Au cas où, alors on prépare le terrain. Ils sont pas terribles, hein. C'est même catastrophique. Alors, donc échange animaux, ça c'est bon. Donc les deux, on va les envoyer ici. Voilà. On va changer le nom. Alors, tigre avec un S de Sibérie. Sibérie. Je ne l'écris pas comme ça, Sibérie. Sibérie. Voilà. Tac. C'est bon. Ça, c'est good. Donc, ça, c'est good. Alors, vas-y, roule. Déjà, avant toute chose, moi, j'aime bien de faire une petite. Voilà. Une petite rivière. Voilà, en plein milieu. Ça, au moins. Les animaux, ils se plaisent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça, on s'en fiche. Combat dangereux. Ah! Il y a tout qui s'en mêle. Ouf! Ouf!
Oh, monsieur le fan, bonjour. F, F, qu'est-ce qu'il a à faire, F? Même les chevaux qui s'en mêlent. C'est vous dire, John le mâle. Et toi, soif fatru. Alors toi, t'as quel âge? Tu es âgé, oui, 14 et demi. Ah, histoire de la vie. Oh, bah, j'ai eu un... F, F. Eh ben, je te relâche en nature, ça sera plus simple. Voilà. Ça m'évite des soucis. Alors, dis donc, on a dû... Ah bah oui, mais je suis bête. Je suis bête. On les pose. Ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va mettre service pour du personnel. On va mettre alors cabanu soigneur. On va mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Australie, Indonésie, Sibérie, Sibérie, tcha. On va mettre ça, tiens. Voilà. Alors, la porte. Que je puisse retrouver la porte. Tac. Et d'un cabinet de veto. Donc, on a dit Asie. Crépuscule, non, ça s'en fiche. Parc des pandas, ça s'en fiche. Nouveau monde. Indonésie, tiens, voilà, ouais, pourquoi pas. Oh, c'est beau. C'est beau. Voilà. Ensuite, celle du personnel, il en faut une grande. En Asie, grande et Indonésie. Eh ben voilà, nickel. Voilà, centre de recherche. Même si on n'a pas vraiment besoin, on va en mettre une quand même. Voilà, atelier, on va en mettre un, donc Indonésie. Et centre d'échange, pareil en Indonésie. Et ben voilà. Donc ce qu'on va faire, pause. Pour que tout le monde soit opérationnel, on va mettre alors un agent d'entretien là. Un. Hop. Deux soigneurs. Deux mécanos. Un petit côté sans vendeur sans plus vétérinaire, oui. Hop. Et hop. Allez-y. Faire bosser. Ah, peut-être aller bosser, les gars. Un animal dangereux s'est échappé. Vous faites rien. C'est affolant. Un service a un effet négatif sur les visiteurs. Je suis au courant. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent, les gens, là? Eh dis donc, t'es obligé de te trimballer comme ça là depuis le milieu de la map ou ça se passe comment? Parce que là vous êtes t'es un peu la bourre là, mon coco. T'es un peu la bourre. Alors, c'est qui que tu ramènes? Les tigres? Ah oui. Eh oh. Ah. Bonjour monsieur le tigre. Bonjour Monsieur le Tigre, bienvenue au zoo. La petite photo qui va bien. Alors, de quoi t'as besoin? Oh oui, t'as besoin de beaucoup de choses. T'as trop d'herbes longues, t'as pas assez de courtes
Voilà, toc 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 toc, je modifie un peu le terrain, parce que là ça fait pas du tout. Parce que là, voilà. Mettre un peu de terre, tiens, par-ci, par-là. De la roche. Faire une longue ligne de roche, tiens. Voilà. Toute une ligne de roche. Donc ça c'est bon. La terre, on va mettre en milieu. Voilà. Tac, 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 tac. Sop, je vais t'en mettre un peu, tiens. C'est pas mal, je trouve. L'herbe courte. Eh ben c'est mieux. On va te mettre un peu plus de roche, tiens. Voilà, on va faire tout le tour. Bon, excusez-moi si ça dépasse. Ça sera mieux comme ça. C'est ça, ok. Mettre un peu plus de sable. Sable grossier. Ah, il y a un peu trop de sable. Ben, on va mettre un peu de roche. Ouais, on va mettre un peu plus de roche. On va essayer de diminuer le sable. Parfait. On va faire comme ça. Voilà. Nickel. Alors, il te faut un abri solide, mon ami. Habitat. Donc, on a dit tigre. Tigre, tatatam. Tigre. Alors, il te faut un ZZ, comment dire, un ZZ, Amérique du Sud. On va répéter en Amérique du Sud. Voilà. On va te mettre quelques petits couchages, par-ci, par-là. Mais pause, play, nickel. Alors, occupation, il te faut donc taiga et tempéré. Mettre quelques petites plantes par-ci, par-là.
Là, que ça englobe un peu, ça serait super. Alors, qu'il faut quoi d'autre? Voyons voir. Hop. Prendre. Ah, c'est beau. C'est beau, je trouve. On va faire hop, 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 hop. Alors, on va se prendre ça. Hop. 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 On va se mettre quelques petites pierres. Des pierres un peu plus belles, ça c'est super. Y a-t-il pas des pierres, je sais pas, un peu rougeâtre, orangeâtre? Ah, c'est un érable. C'est pas plus beau là? Ah. C'est pas mieux comme comme pierre, sans déconner. On irait de s'enfuir, notre ami. Des nénuphars. Il est où le tigre? Alors, il en pense quoi, notre cher ami? On pense que c'est plutôt pas mal. Occupation. Je mets play. Voilà, je fais des petits dessins. Alors, il faut les trucs un peu plus grands.
On va se mettre ça, tiens, des petites couleurs. Voilà. Et voilà. Et une petite dernière pour la route. Non, ça c'est moche. Nous faut. Il en pense quoi le tigre? Parce que c'est le principal intéressé quand même. Le principal intéressé, il en pense quoi? Il en pense que c'est pas mal. Donc, optimisation, fais-moi voir. De quoi as-tu besoin? Nourriture et eau. Donc déjà, on va te mettre là au niveau de l'entrée. Alors, au niveau des gens, on va te mettre ici, là. Il te faut. Alors, un grand abreuvoir, ça s'en fout. Mangeoire. Une grande mangeoire, s'il te plaît. Là. À l'entrée. Voilà. Bon nourrissage, ça c'est bon. On peut te mettre. Un truc poisson marin et dans la flotte donc couchage ça c'est fait, chauffage on va te mettre un chauffage là et un de chauffage ici tiens. Alors optimisation hop. Hop, hop. Mangeoire respective, on va t'en mettre une là. Et au niveau des visiteurs. Voilà, donc jouer, il te faut un petit grattoir. On va t'en mettre un là. Et l'autre, je vais te le mettre là. Arroseur automatique, ici. Ici. Là et là un bloc grattoir ici et là je mets un peu partout alors marqueur voilà au niveau des gens alors il faut ici là aussi un greffoir je t'en mets là là sac à viande je t'en mets un ici et ça devrait aller hein. Ah oui 100% qu'est-ce que t'en penses t'en penses que c'est pas mal bah oui je pense que c'est pas mal on est d'accord. On pense que c'est pas mal. Alors, tout modifier toute la clôture. On va faire. Alors, comment on fait déjà? Les bonnes ont été abandonnées. Super! Est-ce qu'ils sont incapables de gérer? Ça fait peur. Est-ce qu'ils sont incapables de gérer le truc? C'est magnifique. Donc, stop. Alors, comme les gens sont ici, on va mettre service. Service, support. Là, on met ça au milieu. On va mettre pas d'électricité, c'est super. Et où est la zone électrifiée?
Pas d'agressivité. Chouette. N'y a pas d'électricité nulle part? Qu'est-ce que c'est ce beans? Pas d'électricité. Pourtant, il y a un générateur. Il n'y a pas de générateur, attendez. On va mettre un petit truc. Éolienne. Alors, ça, c'est pas très grand. Voilà, ça devrait être bon. Donc nous avions dit ici, ça devrait être bon, non? Pas d'électricité. Eh ben, tu sais quoi? Hop. Paf. Service. Éolienne. Bon. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Pas d'électricité. Je t'en foutrais qu'il n'y a pas d'électricité. On en a eu partout des. Non, parce que sinon, ils vont le voir. Oh, ils sont pénibles, je vous dis. Pas d'électricité. Allez, qu'est-ce qui se passe encore? Annulé. La fin ligne ne décide pas. Et ben hop, ça s'enfuit, ça en fait. Voilà. Donc moi, il faut que je m'occupe. Du coup. Ils sont où déjà les tigres? Ils sont là. Que vous voyez, c'est pas possible. Pas d'électricité. Il y a le problème. C'est pas possible, hein. Il n'y a pas d'autre endroit. Ouais. C'est embêtant. Ah, il y a un lion qui s'est fait la malle. Un animal dangereux, ouais.
Hop là, le jaguar, hop là, c'est bon, tout le monde se calme. 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 Voilà. C'est bon, tout le monde se calme, le lion, enfin le jaguar t'es fait la malle. Le jaguar aussi, oui, mais. Et mal la fin, tac tac, je m'occupe. On a découvert du sanglier. Bon. Ok, d'accord. Quantité de détritus élevé, ah oui. Ok, donc là, donc c'est bon. Donc là, je peux faire une. Alors, il faudrait faire une autre zone. Ah oui, bah, je peux faire une. Ah oui, je peux faire un autre enclos là. Touc, touc. Et bah parfait, attendez. Habitat, on va faire un autre enclos. Donc on a dit ça. On va partir de là. Un peu plus grand, s'il te plaît. Voilà. Tac. On va essayer de se mettre droit parce que sinon ça fait pas. Voilà, hop. On courbe. Voilà, là on met ce droit. Ouais, bon. On peut mieux faire, hein. Ah, ça c'est sûr, pour mieux faire, on peut mieux faire, hein, parce que là, c'est pas droit du tout. C'est franchement penché. Comment on fait déjà? Pyramide de l'habitat nid à hauteur? Non. Allez! Donc attendez, j'arrive. On va se mettre à 3,22 m. Parfait. Qu'est-ce qui se passe encore? L'animal qui s'est échappé. Voilà. Dangereux s'est échappé. Encore une fois. Il s'est fait la malle. On va mettre. Donc modifier. Alors. Ça, est-ce que ça peut, ne peut pas être escaladé pourtant, hein? Qu'est-ce qui a été? Béton. Qu'est-ce qu'elle a été? Voilà. Tout, tout, tout. J'essaie de regarder s'il n'y a pas un truc.
Non. Et donc, alors, il ne peut pas être escaladé vers. Vers Saint-Antin, s'il vous plaît. Voilà. C'est mieux que rien. Allez me dire, c'est pas terrible, mais bon. Bref. Donc, mon terrain, j'en étais là. Avant que notre ami. Hop. Et là, donc, j'ai dit hop. Voilà. Bah nickel, parfait, c'est mieux, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, toc 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 toc. Et donc, nous avons dit promettre, ouais. On va mettre à 4 mètres, voilà. Et certains endroits sera à 4 mètres. Et donc, l'entrée, elle va être ici. Entrée buta petite. Là, non. Tac. Donc, toute cette zone là, ça sera alors en voilà. Ça sera good. Est-ce que les gens peuvent venir d'ici? Alors, ouais, je crois que les gens peuvent venir. Je l'espère. Que je me trompe pas, attendez. Bien sûr, j'ai fait. J'ai. Ah! J'ai fait une zone, mais ça va pas. On va faire une allée. Une allée, hop. Qui va partir au niveau voilà vers un rond-point alors un rond-point tu 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 voilà nickel. Tac tac tac, et donc du coup, échange d'animaux. On a des tigres de Bengale. On va se mettre en pause. Mais franchement, c'est pas terrible hein, ce que j'ai. Hop, les deux. Envoyés dans le zoo. Alors, la porte est ici.
Et tigre, alors, tigre du Bengale. Parfait. Et encore un animal s'est échappé. C'est magnifique. Faut dire que c'est pas bon ça. En qu'est-ce qu'il y a de double? Voilà. Est-ce que c'est bon là? Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Alors, nos chers tigres, est-ce qu'ils vont arriver? Je l'espère qu'ils vont arriver. Alors, il y a une surpopulation de jaguars. Eh ben, faites-moi voir. Oulo. Il a bouffé quoi, un jaguar ou ça se passe comment? Alors, voyons voir. La population. Eh! Alors, toi, t'es une femelle. Eh ben voilà. Ben nickel, nickel, voilà, c'est bon. On a réglé le problème. Alors, bon, ils dépêchent les tigres ou ils sont partis les chercher en Chine? Je crois qu'ils sont partis les chercher en Chine, c'est pas possible, hein. Mais... Ah bah quand même. C'est bon, on les voit arriver. Wow, qu'est-ce que t'as sur la tronche? Oh. Ah bah voilà. Bah voilà. Alors, pause. Bonjour monsieur le tigre. Voilà. Toc 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 toc. Donc là, on a les deux espèces de tigres, tigre du Sibérie, tigre du Bengale. Alors, tu as besoin de tout ça. Alors déjà, je vais m'occuper de te faire. Alors, on va déjà s'occuper de ton optimisation. On va te faire alors abri. Non. Bengale, c'est, je crois, c'est Bengale, c'est en Inde, de mémoire, article, non, y a pas, Inde, oh là, abri en rondin, voilà, bon, tiens, ça sera bien pour toi, ça sera bien pour toi. Et on va te mettre de la paille. Voilà. Déjà, c'est fait. Ensuite, l'optimisation. Il te faut un griffoir. On va te mettre en mettre un. Le deuxième, on va t'en mettre un là. Un troisième, on va te mettre là. Et là. Donc déjà, le marqueur de sang. Et dans ici. Alors, marqueur là, au niveau
des gens. Et là. Donc un arroseur, on va t'en mettre un là. Hop. Une petite balle. Un bloc à griffoir. Ça veut bien, merci. Des petits joujoux par-ci par-là. Hop, hop, hop. Tac, paf, pif. Et voilà. Et maintenant, je m'occupe donc du terrain. Alors, il me faut ça. Voilà, un peu. Non, mince. Voilà. Nickel. Tic, 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 tic. Ensuite. Alors. Bloc de poisson. On va t'en mettre un dans la flotte. Filtre congelé, je mets ici. Ça là. Mangeoire là. Les blocs de poisson, on les met dans la flotte. Pareil pour là. Des jouets, ça c'est bon. Perchoir, on va t'en mettre un là, tiens. Voilà. Bah, ça me semble bien. Ça me semble bien. Ouais, on a. C'est pas assez imposant, je trouve. Voilà. Donc, on a dit habitat. Un truc qui soit vraiment. Voilà. Plein milieu. Et donc, il faut un peu plus d'herbe courte. T'as trop d'herbe longue et pas assez de terre. On va faire comme les tigres, on va refaire une petite ligne. Voilà. Donc ils ont trop d'herbes courtes, on va leur mettre un peu de roche. Voilà. Un peu trop, hop. Un peu de sable là-bas, le sable, hop. Ici. Nickel. La terre. C'est bon. Là, on va mettre là. Et ben c'est parfait, c'est bon. La vraie solide, si on met, c'est good. Alors maintenant, il faut les arbres.
Climat tropical, climat tempéré, prairie. Taïga, on va retirer les arbres qu'on n'a pas besoin. Et on va se remettre sur le tigre. C'est celui qui va nous donner les consignes. Alors, un peu. Ah, ça va être... c'est beau, je trouve. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Voilà. Tac. C'est propre, je trouve. C'est joli. Alors, fleurs, on va peut-être mettre des fleurs. Non. Quelques petits cailloux, voilà. Des gros cailloux. Petite forme. Oh là là, le gamin. Le gamin, le gamin. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Un platane. J'en mets un peu partout. Et on va se mettre de petites de petits feuillages. Ben voilà. Nickel. Qu'il en pense, notre ami le tigre. Un peu beau. Il en pense quoi, le tigre? Il en pense qu'il est en train de courir.
Hein? Et ben voilà, les deux tigres du Bengale sont arrivés. Et ben c'est parfait. Combat dangereux avec une vache. Et non, on va stop. On va terminer service. Et on va mettre ça. Pas d'activité du système en réponse. Alors, tac. Oui, sauf que non, ça marche pas. Voilà, donc il faut que je tire la ligne. Voilà. Forme libre. Et ben voilà. Et ben non. Pas voilà. Ça me fait quoi là? C'est n'importe quoi. Voilà. Allez, où? T'inquiète, tigre du Bengale. Bon, bah écoutez mes amis, on va s'arrêter là pour cet épisode qui aura quand même duré assez longtemps. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification, mettez un max de pouces bleus, commenter, partager mon contenu et ma chaîne au sein de vos réseaux sociaux et me suivre sur tous les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouverai très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille, surtout de votre santé. Restez vous-même car vous êtes le meilleur. C'était Hugo et Astu King, toujours pour vous servir, vous apporter du contenu à la fois divertissant, fun, drôle, amusant, avec une bonne dose de baume au sein de votre cœur et dans votre esprit. Des bisous mes amis, à bientôt et comme bien entendu, je vous fais la petite visite en éclair. Voilà. Touk touk touk. Et voilà. Je vous laisse, mes amis. À bientôt. Ciao, ciao.